C'est dans cette ambiance festive que les missionnaires en Sierra Leone, le pasteur Serge Kouadiané et sa famille ont adoré le Seigneur le dimanche 7 janvier à Abadjendoumé. Composé de 133 disciples repartis dans 9 assemblées, ce sous-centre dirigé par le pasteur Baudelaire Kakou est un champ de conquête de la zone spirituelle de Yopougon. C'est en effet dans cette zone que Serge Kouadiané était pendant 5 années, de décembre 2013 à décembre 2018, dirigeant du sous-centre de Koweït, qui comptait à cette époque 385 membres réunis dans 18 assemblées de maisons. En 2018, lorsque l'appel missionnaire frappait à sa porte, il a décidé de renoncer à son poste de professeur d'anglais pour s'envoler le 28 décembre 2018 avec sa famille en Sierra Leone, plus précisément dans la ville de Freetown. À la suite des bénédictions proclamées par le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, le jeudi 27 décembre 2018. En visite depuis le 5 janvier 2024 dans la nation ivoirienne, qu'il a vu naître et grandir tant au niveau physique que spirituel, c'est avec un cœur reconnaissant à Dieu que le missionnaire a partagé un pan des merveilles de Dieu sur le champ de mission dans lequel il ne fait que reproduire le modèle qu'il a vu pratiquer, le pasteur Boniface Meunier. Un modèle qui lui a permis de passer d'un effectif de 98 membres à son arrivée à 430 membres et de 7 églises de maison à 11 à ce jour. Nous sommes très heureux de communier avec les frères de la Côte d'Ivoire et en particulier avec les frères de la sous-zone d'Abadjendoumé et à Yopougon, une partie de la zone de Yopougon. Nous sommes très heureux d'avoir vu certains frères que nous avons perdus de vue depuis 5 ans. Parce que ça fait depuis 5 ans que nous sommes là-bas en mission en Sierra Leone. Et aussi, concernant l'œuvre en Sierra Leone, tout va bien, tout va très bien. Nous sommes heureux d'être missionnaires pour le compte de la CMCI. Vous savez, quand un missionnaire part de la CMCI pour aller dans une autre nation, pour conquérir et poser la CMCI dans cette tension-là, c'est des challenges, c'est des défis qu'il faut relever à tous égards parce que le diable n'aime pas notre œuvre, nous le savons très bien. Et comme le diable n'aime pas notre œuvre, il va tout faire pour nous empêcher d'installer notre œuvre. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu nous asseoir en Sierra Leone parce que nous avions au préalable une œuvre en Sierra Leone. Après le départ de notre premier missionnaire de l'œuvre de la CMCI, donc l'œuvre s'est affaissée quelque peu. Nous sommes retrouvés au niveau de Freetown avec 15 membres. Et au niveau de toute la Sierra Leone, nous sommes allés trouver un peu plus d'une soixantaine de membres. Et nous sommes appuyés sur les frères que nous avons trouvés là-bas pour poser les jalons d'une vraie CMCI sur de bonnes bases, là-bas en Sierra Leone. Et nous croyons que Dieu a été avec nous pendant les 5 ans que nous avons passé sur le sol Sierra Leone. Au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes autour de 150 membres au niveau de la ville de Freetown. Et au niveau de toute la nation de la Sierra Leone, nous tournons autour de 450 membres. Nous avons 7 églises, d'une seule église que nous avons trouvée en Sierra Leone, à Freetown, dans la ville de Freetown. Nous sommes retrouvés aujourd'hui à 7 églises et à 11 églises dans toute la nation. Nous sommes heureux de participer à l'accroissement de l'œuvre de Dieu dans les nations et dans le monde entier. Nous sommes heureux d'avoir pris une part active à cette œuvre merveilleuse qui est la conquête des âmes et en particulier à la CMCI, la communauté missionnaire chrétienne transsoire. Là-bas, en Sierra Leone, l'œuvre se porte bien. Les frères vous saluent tous en Côte d'Ivoire ici. Les frères se portent très bien. Nous avons pu implémenter la vraie repentance partout. Et nous avons enseigné la vraie repentance. Et les frères continuent de pratiquer et de laisser les autres pratiquer, les autres pratiquer pour revenir à leur Dieu qu'ils ont perdu. La Sierra Leone est une nation beaucoup religieuses, où les gens aiment Dieu, mais leur manière de servir Dieu n'est pas forcément correcte. Alléluia.
Nous ne disons pas que nous avons forcément la manière la plus absolue de servir Dieu, mais nous croyons que nous avons ce qu'il faut pour leur apporter ce qu'il leur faut. Et nous avons réussi, avec le peu de membres que nous avons, qui sont avec nous, nous avons réussi à leur imposer la vie de Christ comme telle que nous l'avons appris ici ou que nous avons appris à la CMCI. Et tout le monde pratique la vraie repentance. Nous brisons les liens, nous chassons les démons, nous délivrons les gens de manière authentique. Nous conduisons les gens à renverser les principautés et à poursuivre la conquête avec nous. Et nous sommes beaucoup encouragés en voyant les frères de la Côte d'Ivoire, en entendant leurs témoignages, en entendant même les frères dans le monde entier, les frères du Cameroun et tous les autres frères. Nous sommes beaucoup encouragés à poursuivre la conquête. Nous savons que nous n'avons pas mal fait de renoncer à nos emplois, de renoncer à tout ce que nous avions, à nos amours, pour aller dans un autre pays pour la conquête. Nous sommes très heureux de prendre part à cette œuvre merveilleuse-là. À l'issue de son témoignage, ces âmes se sont engagées à donner leur vie à Jésus. Pour introduire son exhortation, le messager de Dieu s'est appuyé sur le passage biblique de Genèse 1, le verset 27 à 28, afin d'exposer les raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme. Selon lui, avec cette connaissance, les saints devraient s'appuyer sur le Saint-Esprit pour accomplir les desseins du Seigneur. C'est la fusion avec le Saint-Esprit qui te rend fécond. Beaucoup d'enfants veulent gagner les âmes. En laissant de côté le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Même quand on dit Saint-Esprit, c'est le même où aller prêcher la vie. Espérant que quand tu seras en train de prêcher, tu seras rempli du Saint-Esprit. Quand on dit Saint-Esprit, même dans un état de retrograde, tu dois prêcher là. Espérant que quand tu vas commencer à prêcher, c'est une grâce spéciale. Quand tu commences à prêcher, le Saint-Esprit descend sur toi, te possède et que tu puisses gagner les âmes. Si tu n'as pas rempli le Saint-Esprit, même quand tu prêches, tu n'auras personne. Alléluia. On est fusionné avec le Saint-Esprit et on produit des résultats. Et on se rend fécond, on accouche des enfants. Mais si tu vis dans le mensonge, les enfants de Dieu qui mentent, qui critiquent. D'abord, la critique, là, le frère a dit que ça fait perdre la puissance spirituelle. Tu critiques ton camarade. La Bible dit que celui qui critique son frère, il juge la loi. Il se rend juge de la loi. Après ce riche moment d'édification, le dirigeant du sous-centre d'Abadjin Doumé a rendu grâce à Dieu et par la suite présenté ses objectifs pour l'année 2024 qui fait ressortir l'importance de la présence de Serge Kouadiané chez eux. Nous avons dit que cette année, ça sera une année d'évangélisation. Nous allons faire ce que nous appelons les évangélisations porte à porte comme un style de vie. Ensuite, pour cette année, nous aurons deux campagnes d'évangélisation avec notre dirigeant, le pasteur Lombé. Une campagne dans le premier semestre et une deuxième campagne dans le deuxième semestre, c'est-à-dire septembre. La première campagne sera en mars-avril, avec le programme, bien entendu, de nos dirigeants. La deuxième campagne, nous allons faire ça en septembre. Et nous avons été enseignés que quand une chose n'est pas faite dans la prière, elle n'est pas faite du tout. Alors donc nous enrôlons les frères dans la prière, nous encourageons dans la prière pour soutenir la conquête, pour propulser la conquête, pour gagner les âmes, pour que notre but soit atteint. Amen. Notons qu'un copieux repas fraternel a mis fin à l'adoration du 7 janvier 2024 dans le sous-centre d'Abadjin Doumé.